De l'Okanga Quartet avec Eric Manana à la fin de ce mois à Paris. Je profite pour vous présenter un petit peu c'est qui l'Okanga Quartet. Au fait, ça fait bientôt 15 ans que nous deux on se connaît et je me rappelle encore vraiment très au début, Eric m'avait parlé que c'est un rêve de sa part de un jour avoir peut-être même un orchestre, mais au moins vraiment une quarteur classique autour de lui pour explorer un peu la rencontre entre la musique malgache et la musique classique. Donc il fallait presque 10 ans pour attendre le moment, mais j'ai pu monter au fait un quarteur classique grâce à des amis de l'enfance presque. Au fait, donc je vous présente un petit peu c'est qui que j'ai entouré autour de moi pour monter l'Okanga Köln. En fait, donc moi-même, je joue du violon et j'ai fait appel à une copine que je connais encore du premier jour à l'école primaire à l'époque. C'est Myriam Lormes qui joue de l'alto. Donc on se connaît depuis très très longtemps et on est resté très amis depuis tout ce temps-là. Et au violoncelle, on a Katharina Hoffmann et Myriam, Katharina et moi, en fait, on a déjà fait pas mal des aventures musicales ensemble. On a fait des concours de musique à l'époque dans la musique baroque, en fait, quand on était jeune, au niveau national en Allemagne. On a fait des concours, on a gagné des prix, on a fait pas mal des voyages musicaux déjà en tant que trio. Et donc, à la fin, il y a comme contrebassiste Katharina Stein qui nous rejoint, en fait, pour mettre le quartier en complet. Et ce qui est spécial, je dirais, pour notre quartier, oui, on est une quartier classique d'un côté, parce que nous quatre, on a quand même suivi une éducation classique au conservatoire, dans les écoles de musique en Allemagne. Mais malgré ça, au fait, toutes les quatre, on est très très ouvertes, je dirais, à toutes sortes de musiques différentes. On aime voyager, pas seulement musicalement, mais en vrai aussi, on a beaucoup voyagé dans le monde. Tous les quatre, on travaille professionnellement dans le contexte de la musique, mais pas seulement en tant que musicienne. On a travaillé en tant que journaliste dans le contexte académique, dans le sens de l'organisatrice des festivals, au fait. Donc, ça donne un esprit assez spécial à ce quartier parce que toutes les quatre, on amène quand même des expériences, pas seulement côté musical, mais aussi côté, je dirais, expérience musicale en large. Donc là, ça fait quand même quelques années qu'on a travaillé avec Eric, et c'est une vraie aventure pour toutes les quatre, parce que depuis qu'on travaille avec Eric, d'ailleurs moi aussi, comme je faisais dès le début, on fait avec l'ouverture, donc on oublie toutes les partitions, on joue vraiment avec l'oreille et surtout avec le cœur, et ce qui m'a rendue vraiment heureuse, c'est qu'on a pu amener toutes les quartiers à Madagascar et à la île de la Réunion il y a 2 ans. Et moi qui connais déjà bien Madagascar, pour moi c'était très très important d'avoir
pu amener les autres trois aussi découvrir le pays parce que bon, ils ont commencé à découvrir la musique, ils ont surtout commencé à aimer et adorer cette musique. Donc après d'avoir fait l'expérience de jouer devant un public malgache au pays même, c'était juste, je ne sais pas comment décrire, mais c'était un succès, mais surtout aussi un bonheur, je crois, pour toutes les quatre. Donc là, c'est l'occasion, on travaille toujours, on essaie d'enlargir un peu le répertoire, dans le sens aussi faire plus d'échanges entre l'Allemagne et Madagascar avec ce quartier. Donc ce mois, à la fin de ce mois, c'est l'occasion de revenir sur Paris pour deux concerts dans une ambiance, je crois, assez presque privée et conviviale. Donc, je crois que Eric peut donner des détails pour les deux concerts. Fali miara batika rita rita. Ftona en 28 février, Josiane, si 29 fois, je marche à Boution, février, un petit fal en voulant 10 années. Misitsika kely ho ataoko miaraka amin'ny Lokanga Chœur ny quartety. Ho hafa kely satria ho akaikaiky ny olona kokoa ary le toerana anaovana le fampisehoana rotota zany a mahafinaritra be satria misy toerana azo sakafoanana, misy toerana azo sosotrosotroana kely, de misy toerana angalana rivotra ihany koa. Efa nanao taoa tamin'ny farany teo za sy dama, de nafinaritra be le toerana, de ohatra mateverina foana, de zay ny verenako amin'ity, sady le Lokanga Chœur ny quartety ity zany a amin'ireo ihanyny izy no afaka amin'ytitonyity, de naleko mifidy an'ny toerana io satria akaikikaiky ny olona koa moa afaka mifanerasera amintsika zay ho avy rehetra rehetra, ohatrany mahafinaritra mahafinaritra le ambiance io zany. De ino isika anteneniko hoe isy olazaina amin'ny faranty vidéo ity zany hoe ahoana ny fividianana billet, ahoana ny fanaovana réservation, aiza ny adresy amin'ny firy manomboka ireo fampisehoana rototo ireo. De araka ny teneniko teo moa zany de mahafinaritra be le toerana hovitanareo a fa ary akaikikaiky kokoa ny olona izahay, ary ianareo akaikinay kokoa, afaka miresaka tsika ohatra ny any an-trano a, afaka miara-misakafo tsika raha ohatra afaka makasazy. Mahafinaritra, mahafinaritra. Et encore tombé a, misy concert anakiro fotsiny amin'ity tonty, donc tongava maro. Eny ara fa de manatena ny fatokavantsika namana sy tapaka rehetra. Sotra miaro tompoko. Sotra betsaka amin'ny sabotsy a. Rafarania, urafarani mandrapa, feroate tu